Salut, c'est Claire, bienvenue au Far West. Je suis avec Amélie de Terragir et chez Amélie, le linge, il est super propre. Bonjour, donc moi c'est Amélie. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma recette de savon nettoyant pour le linge. Alors, j'ai testé le savon détachant parce qu'ayant deux enfants, évidemment, ça lisse assez facilement. J'ai testé ce savon et puis j'en suis très satisfaite. Pour ce savon, j'utilise du savon de Marseille que je râpe, de la terre de sommière, de l'eau et on peut aussi mettre des huiles essentielles de citron, mais moi j'en utilise de moins en moins, donc je n'en mets pas dans ma recette. 25 g de savon de Marseille, on les met dans l'eau bouillante. Donc là je remue jusqu'à avoir une consistance un peu crémeuse, pas forcément entièrement fondue. Donc là je vais rajouter 25 g de terre de sommière. Je vais le mettre dans mon moule et je le mets au frigo pendant 5 heures minimum. Pour l'utilisation, il faut juste mouiller le vêtement, frotter le savon dessus, laisser reposer, mettre plusieurs heures plus tard votre linge à laver. Donc après, c'est comme tout ce qu'on utilise, que ce soit maison ou pas maison, il faut toujours tester sur des petites surfaces pour être sûr que la matière supporte bien le savon, quoi. L'avantage, à mon avis, c'est que ça nous évite d'acheter des détachants. Ça coûte rien du tout, donc c'est une recette qui est assez simple à faire et qui est très efficace pour nettoyer le linge avant ou après lavage. Alors la prochaine étape, quelque chose que j'aimerais essayer et tester, c'est le chocolat en poudre maison. Parce qu'en fait, déjà j'en trouve pas en vrac près de chez moi. J'aimerais vraiment trouver une recette qui plaise et qui puisse passer dans toutes mes recettes maison.